T'as beau être pour PSG, pour l'OM, pour Lens ou Bordeaux, si ton club il vit un grand moment, ben t'as envie de le vivre. T'es quasiment obligé de suivre ton club. T'as beau avoir les écharpes de l'OM et tout à la maison, t'es obligé de suivre ce show parce que quelque part tu défends pas le club, tu défends ta région. C'est vrai qu'on n'a pas les infrastructures de tous les grands clubs, mais les supporters ils sont aussi forts, aussi costauds, je pense. Oh madame, alors avec les purses, honnêtement, j'avais une petite lessive à faire, alors j'en ai profité. C'est bien, c'est ça. C'est toujours passé. C'est bien. Ça donne toute l'originalité des Francs-Comtois. Magnifique. Sochaux, je crois, c'est un peu comparable par rapport à Saint-Etienne. C'est une ville d'ouvriers qui est tout derrière le club, quoi, je crois. On dérange beaucoup de personnes parce qu'on a un petit patelin, une petite commune. Parce qu'il faut savoir que Sochaux, en fait, on dit pays de Montbéliard, mais Sochaux, c'est 5000 habitants. C'est pas plus. Nous, on est connus surtout par le foot. Tu pars en vacances, Sochaux, c'est le foot. Quoi. Sans Peugeot, il faut dire ce qu'il y a, on serait pas là. Ils seraient pas là, les joueurs. C'est Peugeot qui a créé le professeur. Voilà, c'est le père Peugeot qui a créé, quoi. C'est comme la Juve, quoi. C'est Fiat, quoi. C'est pareil. Bah nous, c'est la même chose. C'est pareil, quoi. C'est peut-être un privilège qu'on a comparé aux autres clubs de D1.17 avril 2004. Le FC Sochaux-Montbéliard vient de remporter la Coupe de la Ligue après 66 ans sans titre. Mais si Sochaux est un des clubs majeurs du football français, ce n'est sans doute pas à cause de son palmarès. Alors pourquoi le nom de Sochaux, comme celui de Saint-Étienne ou d'Auxerre, est-il synonyme de football? Pourquoi ce club occupe-t-il une place unique dans la mémoire collective des Français? Peut-être à cause de son histoire singulière, l'histoire d'une épopée industrielle, celle des automobiles Peugeot. On nous disait qu'on était des paysans, mais je pense pas que maintenant on se fait critiquer de... Je pense que par rapport au foot... Par rapport au foot, on montre bien qu'on a quand même du bon foot en Franche-Comté. Bien sûr, parce qu'avec des petits moyens comme à Sochaux, en arriver à la 5e place en fin de championnat, la Coupe de la Ligue, c'est magnifique. C'est magnifique, on ne peut pas mieux dire. C'est magnifique. Certaines fiertés, parce que tous les joueurs que l'on a, nous, on ne les achète pas. Ils sortent du centre de formation Sochaux, comme les équipes de Nantes ou Saint-Étienne. Nous, on n'a pas des vedettes qu'on va chercher en Espagne, en Italie. Ce club, on l'a toujours associé à l'automobile. Les gens parlent de Sochaux, souvent ils font le lapsus, ils disent Peugeot. Ils disent carrément, ils raccourcissent, ils disent Peugeot. Moi, ça se sent moins maintenant dans les nouvelles générations, mais c'est... Il y a une époque, les gens étaient carrément Peugeot, quoi. Peugeot, c'est beaucoup plus qu'un partenaire maillot ou même d'une présence géographique. C'est le propriétaire du club. Donc ça crée une proximité qu'on peut guère avoir plus forte. Le club est la propriété de Peugeot. À côté de ça, il suffit de lever les yeux quand on est sur le terrain d'entraînement qui jouxte le stade Bonal pour voir l'usine. Le stade Bonal s'appelait le stade de la Forge parce qu'il jouxtait la forge des usines Peugeot. Donc le lien, il est géographique aussi. Et le lien, il est culturel, identitaire, on pourrait dire, parce que 70 ans d'histoire,
à côté de cette entreprise-là, ça crée obligatoirement des liens et ça influe même, on peut le dire, sur son identité, sur sa culture, sur ce qu'il a de plus identitaire, on pourrait dire, c'est lié à Peugeot. Sochaux, un nom qui rime avec Peugeot depuis 1912, depuis le jour où la firme décide d'implanter son usine dans cette petite banlieue de Montbéliard. En quelques années, l'usine de Sochaux devient le site industriel le plus important de la Franche-Comté. 40 000 ouvriers travaillent sur les chaînes de fabrication des automobiles, selon le modèle de production imaginé par Ford quelques années plus tôt. Peugeot construit également des cités pour loger ses milliers d'ouvriers venus de toute la France. Fort de sa réussite industrielle, Jean-Pierre Peugeot décide en 1928 de fonder un club de football pour porter haut les couleurs de sa marque. L'usine était un énorme centre de 45 000 personnes. Alors, pour essayer d'éviter que les gens s'ennuient ou fassent des réclamations en week-end, mon père a dit on leur avait donné quelque chose. Panem et Tiercensas, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils avaient, en dehors de leur travail, ils avaient le stade. Ils voyaient les joueurs. L'idée, c'est avoir un club de très très haut niveau, une vitrine pour la marque, c'est-à-dire une utilisation au niveau extérieur, montrer. Aux amateurs de football que Peugeot a une grande équipe, mais c'est aussi en interne, et je pense surtout en interne, ça se rapproche du paternalisme de l'époque, c'est tout simplement avoir un club de haut niveau pour offrir une occupation et une fierté à ses ouvriers. Il fallait distraire au départ les salariés de l'entreprise, les ouvriers. Le dimanche où ils allaient, le matin, je vous dis, à l'église ou au temple, parce qu'ici, bon, il y a beaucoup de protestants, et l'après-midi, on allait au stade. Et le lundi matin, on allait au boulot. Et on parlait de foot. Mais pas trop pendant le boulot, hein, parce que vous aviez les chefs, ils n'étaient pas contents. Mais quand on parlait de foot, on n'était pas dans les bistrots et on n'était pas dans les syndicats. C'est ça le paternalisme aussi, hein. Je pense pas que Jean-Pierre Peugeot ait créé un club de football pour contrecarrer l'influence des syndicats. Je ne pense pas que ce soit aussi direct. Et... Non, c'est une stratégie d'offrir des magasins plutôt bon marché aux ouvriers, de faire construire des logements, de construire une piscine pour les loisirs, d'adapter certaines choses à la vie de ces ouvriers. On vivait en autarcie ici. On gagnait sa vie chez Peugeot et la redépensait chez Peugeot. Voilà, c'était en gros ça. Il y avait des magasins d'habillement, des magasins électroménagers, des magasins de vente de fruits et légumes, les super ravis, les ravis. Tout ça, ça restait une autarcie totale, les colonies de vacances. Aujourd'hui, il ne reste plus que les CE, les choses comme ça. Mais on dit on vit par Peugeot. Oui, et on en vit bien. Il faudrait développer autre chose au cas où. Ben oui, on sait bien quand Peugeot tous, c'est toute la région qui éternue aussi. Hein, mais bon, on vit comme ça depuis des années, depuis un siècle, je crois. Et ben, espérons que ça dure encore au moins autant. Le modèle de la famille Peugeot est un modèle ancien, à l'image de Fiat avec la Juventus de Turin, ou de Philips avec le PSV Eindhoven. Pour Jean-Pierre Peugeot, le sport est un devoir social qui doit donner aux ouvriers le goût de la lutte et les unir au patronat dans le cadre de la compétition économique. Sport et production ont un seul credo. Le même esprit d'équipe doit animer les ouvriers, les contremaîtres et les joueurs qui défendent les couleurs de Peugeot sur le terrain. Les matchs, c'était une fête pour tout Montbéliard, tout le pays de Montbéliard. La musique Peugeot partait soit du stade, soit de la gare de Montbéliard, défilait dans Montbéliard et arrivait au stade avec tous les supporters, avec tous ceux qui voulaient suivre la musique Peugeot. Si mes souvenirs sont bons, quand j'étais gamin, chaque fois qu'il y avait un grand match, autour du stade, il y avait des manèges où les parents emmenaient leurs enfants et les manèges étaient gratuits. C'était la maison Peugeot qui offrait. À
Oui, c'est le patron qui régale et c'est pour ça que le club, dans son caractère, dans son identité, propre et pas proprement parlé, un club tel qu'on peut le trouver par exemple à Metz ou à Lens, qui sont des clubs ouvriers. Ici, c'est le club de Peugeot, c'est le club du patron. Et ça donne des responsabilités, si on peut parler comme ça, au club, différentes, parce que ça l'oblige à proposer toujours un spectacle de qualité, puisque c'est le spectacle qui est proposé par le patron d'une partie des ouvriers ici. Pour présenter son spectacle de haut vol, Jean-Pierre Peugeot entreprend en 1929 la construction d'un grand stade à côté des usines. La même année, le patron de la firme automobile recrute parmi les meilleurs joueurs français et va également chercher quelques vedettes à l'étranger. Bien sûr, ces joueurs réputés ne viennent pas en pays de Montbéliard sans contrepartie financière. Le FC Sochaux va ainsi être le premier club à payer ses joueurs à une époque où le football français n'est encore qu'un sport amateur. Jean-Pierre Peugeot, lui, il est très clair dans son intention. Il a un club de foot qui va avoir une utilité. C'est pas une danseuse, c'est quelque chose qui a une vraie utilité, qui a une rationalité. À partir du moment où le club de foot va lui apporter quelque chose, tant en termes d'image extérieure et tant en termes d'utilisation au sein de son entreprise, il n'a aucune honte, aucune immoralité à avouer clairement qu'il paye ses joueurs. Donc le professionnalisme de facto naît. En 1930, le club devient le FC Sochaux-Montbéliard. À l'époque, il n'existe pas de véritable championnat de France, mais des championnats interrégionaux. Le patron de la firme automobile innove à nouveau en proposant au meilleur club français une compétition à l'échelle nationale, la Coupe Peugeot. La Coupe Peugeot, c'était la création de Jean-Pierre Peugeot. C'était déjà les matchs aller-retour, les matchs aller et matchs retour. C'était le championnat de France, c'était le premier championnat de France en 1932. Lui, il est très clair, Jean-Pierre Peugeot. Il dit, réunissons les meilleures équipes françaises et créons un championnat national. De créer un championnat national, ça invite de facto les joueurs à quasiment avoir 2 jours de voyage à l'aller, 2 jours de voyage au retour, quand il faut traverser la France. C'est le contraire du football des régions. Et à partir du moment où un joueur est absent longtemps pour disputer un match de football, il devient de facto professionnel. Au terme de la seconde Coupe Peugeot, la Fédération française de football décide d'officialiser le professionnalisme et de mettre en place un championnat de France unifié. Le FC Sochaux aura été le précurseur de cette évolution. En moins de 10 ans, le club franc-comtois est devenu une équipe majeure du football français. En 1937, les Lions remportent la Coupe de France face à Strasbourg. Également vainqueur du championnat à 2 reprises, Sochaux se forge un des plus beaux palmarès des années 30. L'équipe du FC Sochaux était la publicité de Peugeot. Ils achetaient les meilleurs joueurs du monde. Il y avait les Duhard, les Dilorto, les Cazenave, les Matler, les Abbé Glen, c'était les meilleurs du monde, c'était un peu le Real d'aujourd'hui. Hein. J'étais un fervent du sport. Quand j'ai vu que c'est le FC Sochaux qui me cherchait, j'ai la tête qui a enflé comme ça. Jamais je croyais qu'une chose pareille soit possible. Alors j'étais émerveillé, quoi. Mais en même temps que moi, c'est une époque où les dirigeants du FC Sochaux ont recruté des joueurs partout, en Amérique, en Allemagne, en Suisse. Autrement dit, ils avaient décidé, à mon avis, de monter d'un cran, quoi. Ils voulaient faire partie des équipes les plus importantes de France. Mais je me souviens même qu'ils nous ont emmenés en avion à Londres simplement pour qu'on puisse voir comment les Anglais jouent au football. Vous vous rendez compte? Quand même, j'ai encore une photo. Pour faire venir ces joueurs d'une grande réputation, il y avait obligatoirement une grande concurrence.
Donc il fallait faire la différence. La différence, elle se faisait à deux niveaux. Elle se faisait au niveau financier, bien entendu. Mais elle se faisait aussi à travers la marque Peugeot, à travers le nom Peugeot qui correspondait à une certaine qualité, qui correspondait à une certaine sécurité, une sécurité d'emploi, puisque nombre d'anciens joueurs, y compris étrangers et parmi les meilleurs, avaient l'assurance de pouvoir, au terme de leur carrière, travailler chez Peugeot, et devenir concessionnaire Peugeot, garder un lien avec la marque. Le salaire, et ça c'est important pour un club, tombait chez nous le premier du mois. Dans aucun autre club, j'ai vu ça. Vous savez, à Toulouse, qui était un club, Monsieur Parenti, c'était un archimilliardaire, mais ça tombait quand il avait envie de payer. Hein. Bien, on touchait toujours l'argent, mais c'était pas régulier. Mais à Sochaux, c'était donc déjà du sérieux. On a beaucoup dit que le club, c'était le club Peugeot, tout ça. Mais quelque part, ça y reste encore, parce que peut-être que le club, il est là aujourd'hui, c'est grâce à l'usine, aux gens qui y travaillent, et à tout. Et donc, c'est important de ne pas perdre ça de nos têtes. Quand on parle de Sochaux, on parle de Peugeot. Ça, c'est clair que c'est dommage que même... On ne voit plus le maillot floqué Peugeot, parce que c'était quand même quelque chose de fort pour nous. C'était la première emblème de l'usine, c'était, disons, ce qui ressortait le plus souvent. Quand on se déplaçait, on avait ce maillot Peugeot, on était fiers de le porter. Bah, et l'appartenance, c'est un peu leur club. Alors, ils sont très fiers de leur club. Ils sont très fiers, parce que Sochaux, aujourd'hui, est plus connu par son équipe de football que par ses usines, quand même, dans la France, et puis un petit peu en Europe maintenant. Bon, ben les gens sont très fiers. Pourquoi aussi? N'oubliez pas que beaucoup de joueurs du football club de Sochaux ont des parents qui travaillent à côté. Myriam, son père a travaillé à l'usine. Fro, Pedretti, ou son frère travaille encore. Je veux dire qu'il y a une appartenance très forte, parce qu'on a beaucoup de garçons du cru. La majorité de nos supporters travaillent la semaine à l'usine, donc on est vraiment liés avec eux. Nous, on va voir un peu leur travail une ou deux fois par saison. On voit dans le cadre dans lequel ils évoluent. Et puis, nous, on est des respectueux des valeurs qu'ont ces personnes-là. Et je pense que les joueurs de ce club font leur métier en fonction de ces valeurs-là et pour ces gens-là. Le long de la ligne. Donc, et là, on est complètement dans une vase où il n'y a plus trop de montage, où on contrôle, on ne fait que du contrôle. Tous les ans, et les jeunes du centre de formation et les professionnels vont faire une visite dans les usines. Et je pense que, indiscutablement, ça les marque. Ils se rendent compte d'une certaine chance qu'ils ont, par rapport à l'environnement dans lequel ils sont plongés. Et je crois que ça, c'est un petit peu un échange. C'est un petit peu une contagion qui se fait là aussi. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, dans le sens où on va au-devant des gens. Donc c'est bien, ça change un peu. Et je trouve que c'est sympa, surtout dans le monde dans lequel on vit. Je crois que on a des gens qui bossent dur toute leur vie pour se payer leur maison. Aujourd'hui, nous, il ne faut pas se voler la face, on a la chance de gagner de l'argent, beaucoup d'argent en étant jeune. Et je crois que d'avoir ce geste-là, ça ouvre aussi les yeux un peu, je crois, que sur la vie active. On ira après dans une partie un peu spécifique et après on suit le long des lignes, ok? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. En rentrant sur le terrain, il y avait toujours cette image de gens qui se donnaient, je dirais, 8 heures. Quand 8 heures à la chaîne, je crois que c'est quand même quelque chose de très pénible. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient, bon, des fois un petit peu aigris par rapport aux sportifs.
j'avais, c'était dans l'état d'esprit de au moins de leur rendre en disant voilà, j'ai tout donné sur le terrain, et me sentir un petit peu moins, je dirais, coupable d'une situation où je suis, où j'étais privilégié. On sait que tous, on vient de milieux, moi personnellement, je viens d'un milieu ouvrier, donc je sais pertinemment ce que c'est que, et la valeur de l'argent, et la valeur du travail. Et il est évident que travailler sur un terrain ensuite, je dis bien travailler sur un terrain, c'est quand même plaisant. Voilà, c'est un frappadingue de Sochaux, mon gamin. Alors, si j'avais loupé ça, il m'écharpait. Je vous remercie. Voilà, comme pour nous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ici, c'est un folle. Dès qu'on sait qu'il y a le coup d'envoi, vous entendez crier, allez Sochaux. Vous voyez dans l'usine, vous voyez des ballons jaunes et bleus, vous voyez des choses. Ouais, ça fait. On pense à eux, on est avec eux, quoi. Ça a toujours été. Moi, je vois mon papa, même dans son temps, c'était déjà ça. Une fin de semaine, ça les tardait d'avoir ce match. C'est vrai que ça a toujours été. Après la guerre, le FC Sochaux ne sera plus comme avant. Il faut d'abord reconstruire les usines touchées par les bombardements et moderniser les chaînes de production des automobiles. Le football n'est plus une priorité pour la famille Peugeot, qui tient néanmoins à conserver ce club de haut niveau au sein de l'entreprise. Au lendemain de la libération, le club sochalien est exsangue. Il ne reste que quelques vedettes en fin de carrière, pour entourer des jeunes joueurs recrutés dans l'Est de la France. Il fallait tout de même, après la guerre, reconstruire, relancer les usines. C'était vraiment le moment de grand essor industriel. Et il est évident qu'à ce moment-là, le football ne pouvait pas être la priorité. Donc, du fait qu'on ne voulait pas, on ne voulait absolument pas abdiquer sur cette idée sportive du football à Sochaux, dès cette époque, on s'est retourné vers l'autre solution, non pas acheter, mais cultiver. À partir de 1949, Peugeot imagine une nouvelle solution pour relancer son club à moindre frais. Recruter dans toute la France des joueurs repérés dans des clubs amateurs par des concessionnaires Peugeot. Ces jeunes, qu'on appellera bientôt les Lionceaux, vivent une sorte d'apprentissage au contact des joueurs professionnels. Cette politique des Lionceaux est également plus conforme à l'esprit Peugeot, qui ne veut pas payer des joueurs de plus en plus cher dans un milieu ouvrier. Les Lionceaux, ça pourrait correspondre maintenant au centre de formation. Sochaux a été un des précurseurs, disons, dans ce domaine-là. Ils allaient recruter des joueurs, disons, un petit peu dans tous les coins de la France, qui réunissaient des jeunes gens de 18 ans, 19 ans, 16 ans, et ils les faisaient venir à Sochaux pour être des futurs professionnels. C'était pas de la formation, c'était de la sélection. C'est-à-dire que on choisissait les jeunes, la détection des jeunes talents, et on les amenait pour jouer avec des professionnels patentés qui avaient du métier. Et là, par osmose, cette formation se faisait, donc détection et formation sur le tas. Ils avaient les mêmes avantages que les pros, c'est-à-dire ils s'entraînaient, ils avaient les vestiaires, ils avaient les douches, ils avaient les mêmes éducateurs. Hein. Et ces jeunes, tous les semaines ou tous les mois, il y a deux ou trois autres qui arrivaient, et puis tous les deux ou trois mois, il y a un ou l'autre qui repartait chez lui à la maison. Et finalement, la fin de la saison, ça faisait une sélection. Et ces jeunes étaient tous rassemblés dans le cercle hôtel. Alors le cercle hôtel, c'est situé pas très loin du stade Bonal. Il y avait une cinquantaine de chambres.
Il y avait un cours de tennis autour, il y avait des cuisiniers, il y avait des garçons qui nous servaient, il y avait des femmes de chambre qui faisaient les chambres. C'était les jeunes ingénieurs qui venaient à l'époque de partout de la France travailler chez Peugeot. Hein. Et alors, Peugeot les logeait au Cercle Hôtel. C'est vrai qu'on côtoyait tous les gens des automobiles Peugeot qui venaient manger à midi. On avait une table et puis on était parmi eux. On se faisait petit quand on avait perdu. Parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que parfois, quand on avait perdu ça, les gens, c'était rare quand ils nous demandaient, à part vraiment le vrai supporter. Alors celui-là, bon, a priori, celui-là, il venait toujours. Mais celui, quand on avait perdu, là, en général, on avait peu de félicitations. On gagnait peut-être deux fois, peut-être trois fois plus qu'un ouvrier, c'est tout. Hein. On approchait peut-être le salaire d'un petit cadre. Voilà, là, il y a des fiches de paye. Une de mes premières fiches de paye. Vous voyez, à l'époque, il existait encore un fixe mensuel pour chaque joueur et une prime de valeur pour chaque joueur. Ça, c'était la base tous les mois pour le salaire. Ensuite, en plus, il y avait les primes de match. C'est-à-dire, le match nul, c'était 10 000 francs. Le match gagné, c'était 20 000 francs. Hein? Voilà. Et le match perdu, c'était 0 francs. En équipement, je payais 2 400 francs. Dites aujourd'hui à un joueur professionnel de payer une paire de godasses, une paire de lacets. Hein? Hein? À l'époque, on payait. J'ai des autres fiches de paye, parce que pendant les après-midi, nous avions du temps libre. Et la direction nous recommandait, le FC Sochaux nous recommandait d'aller nous travailler chez Peugeot. C'est-à-dire, premièrement, c'était pour être discipliné, pour ne pas rester allongé toute une journée, pour avoir des autres occupations. Et la majorité des gars est allé travailler. Je travaillais déjà à la mine, j'avais 18 ans, je travaillais dans un bureau à la mine. Alors mon père a voulu que je parte à condition que je retrouve un emploi équivalent. Donc je m'entraînais le matin avec les pros et l'après-midi j'allais travailler. Et je mène après de front deux carrières. Et je ne sais jamais dans laquelle m'installer prioritairement. Quand le football va bien, je dis, bon, le football, c'est bien. Mais quand le football va plus ou moins bien, je me réfugie à l'entreprise, où là, j'ai un chef qui me dynamise, qui me permet, au bout de 5-6 ans, après mon service militaire, d'être cadre dans l'entreprise, quoi. Alors, j'ai jamais voulu lâcher la proie pour l'ombre. J'étais un bon amateur, très bon amateur. J'ai fait peut-être 80 matchs en pro. Mais ma philosophie, c'était quand même celle de mon père, de mes parents, il fallait se faire une situation. Et le football était assez aléatoire pour se faire une situation. Je me rappelle l'époque à Gutiérrez, à Maillet, qui travaillait dans mon équipe, on travaillait ensemble. Alors ils travaillaient 2-3 heures le matin, ils allaient à l'entraînement l'après-midi, ou au contraire. Et puis bon, c'était sympa. On avait, disons qu'on était là vraiment auprès d'eux. On peut dire embaucher, oui, si on veut. C'était, ouais, c'était fictif. Bon. Ils faisaient acte de présence, puisqu'ils faisaient partie de la société, c'était Peugeot, bon, voilà. On pouvait les prendre de cette façon-là. Hein. Ah, mon meilleur souvenir, c'est Montagnoli. Montagnoli, qui est un Sud-Américain, qui est un Argentin, si je ne me trompe pas. Lui a été emmené une fois à l'usine, mais je crois qu'il y reste un quart d'heure. Il reste un quart d'heure, Montagnoli. Les lundis matins, il y avait grosse discussion après les matchs. Les matchs. Hein. Ce qu'on entendait pendant les matchs, qu'on n'entend plus d'ailleurs, ben, quand les
Les ouvriers étaient déçus, les spectateurs. Ils criaient « Enchaîne, enchaîne !» Vous comprenez? Les ouvriers, quand ils faisaient leur casse-croûte, nous voyaient s'entraîner, hein. Et le jour où on était mauvais le dimanche, ils n'étaient pas avares de nous gueuler des surnoms ou des gros mots pour nous rappeler qu'on était quand même des professionnels et qu'on faisait que ça. Et qu'il fallait se donner à 100% au club. Ah oui, ben, combien de fois on a entendu traiter les joueurs sur le terrain de façon un peu dure. Ben, en chaîne, feignant, en fonderie, les places les plus dures qu'il y avait à l'époque à Peugeot. C'est des réflexions faciles à faire. C'est... Moi, ça, à la rigueur, ça me dérange pas. La raison, s'ils ont envie de critiquer, c'est pas un problème. Mais que le public soit exigeant, il est exigeant de partout. Il faut pas se leurrer. Ouais, il est exigeant. Ouais. Il est exigeant, mais en même temps, l'exigence fait avancer. Donc c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que sur certains matchs, l'exigence agace. Souvent coutume de dire, et c'est une permanence de l'histoire sochalienne, que l'amateur de foot qui vient dans les travées du Stade Bonal est plus spectateur que supporter. Ça a toujours été vrai. Mais comment imaginer autre chose quand, dès ses premières années, le club a proposé un spectacle exceptionnel, quasiment unique en France? Ça donne une très très mauvaise habitude aux supporters qui se sont transmis cette exigence de beau jeu, de qualité et de résultats. En avant et allez Sochaux ! En 1959, Sochaux retrouve de sa splendeur. Des milliers de supporters font le voyage à Paris pour assister à la finale de la Coupe de France contre le Havre. C'est l'aboutissement de la politique des Lyonceaux qui est à son apogée. Le général de Gaulle, continuant une tradition déjà ancienne, a tenu à honorer de sa présence le match de finale de la Coupe de France. Cette finale perdue restera à jamais dans la mémoire des Sochaliens à la suite d'un incident unique dans l'histoire du football. À la fin du temps réglementaire, Sochaux marque le but de la victoire au moment précis où l'arbitre siffle la fin du match. Dans chaque camp, l'honneur est sauf, mais pour cette fois, aucun des deux capitaines ne recevra des mains du général de Gaulle le glorieux trophée. L'arbitre siffle au moment où le ballon rentre dans la lucarne. Le pauvre monsieur Gaulle ne s'attirera pas beaucoup de sympathie du côté de Sochaux et d'une façon générale dans le monde du football, puisque le beau jeu à la sochalienne ne sera pas récompensé. Cet arbitre dirigera là son dernier match de haut niveau et disparaîtra complètement de la circulation. C'est l'arbitre qui savait très bien qu'en refusant le but, le nul, on ne tirait pas les pénalités à ce moment-là. On revenait 15 jours après jouer ce même match et que c'était lui qui arbitrait. Un avantage qu'il avait sûr, si ça n'avait pas été lui, il aurait accordé le but. Hein. Bon, non, c'était lamentable, ça. Du reste, le public, il comprenait rien du tout. On sort, il y en a la moitié qui croyait qu'on avait gagné. C'est vrai que ça marque. Hein. Peut-être que vous n'y comprenez pas que ça marque, mais ça marque, moi. Après une traversée du désert au début des années 60, le club retrouve l'élite grâce à une nouvelle génération représentée par Quittet, Liquel ou Schmitt. Le FC atteint une nouvelle fois la finale de la Coupe de France en 1967. Cette fois-ci, Sochaux s'incline face à Lyon. En 1974, les dirigeants sochaliens décident de franchir un nouveau pas en ouvrant un des tout premiers centres de formation en même temps que Nantes et Auxerre. Véritable école de football, le centre accueille et encadre les futurs joueurs dès l'âge de 14 ans. L'époque des Lyonceaux est révolue, le football n'est plus un jeu, il est devenu un métier. On essaie de les faire devenir des joueurs professionnels et puis aussi on essaie de les faire devenir des hommes parce que ce sont des jeunes joueurs qui quittent leurs parents très tôt, donc on fait de l'éducation, mais aussi on est
là pour les entraîner, pour les former à ce dur métier. Allez, plus 3, allez. Alors le prends pas là. Le FC Sochaux n'a pas une vocation à faire du star system. Donc c'est un club qui essaye de faire de la formation. L'équipe première en est sa parfaite vitrine. Donc aujourd'hui, quand on regarde l'équipe première, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes issus du centre et qu'il y a beaucoup aussi de jeunes, même s'ils ne sont pas issus du centre, qui ont leur chance de jouer au FC Sochaux. En 1999, le centre de formation déménage à Seloncourt et s'installe au château du Banneau, qui a été cédé au club par Roland Peugeot. Tout en continuant leurs études dans ce cadre familial, les jeunes stagiaires suivent une formation de 3 ans au métier du football avant d'espérer pouvoir rejoindre l'équipe professionnelle. Les joueurs sont complètement pris en charge, j'irai même plus loin. Il existe pour les jeunes joueurs des contrats de travail qui s'appellent aspirants ou apprentis, qui s'appellent stagiaires et qui permettent à ces joueurs-là non seulement d'être pris en charge, mais en plus de bénéficier d'une rémunération. Sur les 60 joueurs admis au centre, seulement 10 ou 15% auront la chance de devenir professionnels. À la fin de l'année scolaire, les joueurs les plus brillants signent un nouveau contrat, tandis que les autres doivent se tourner vers une hypothétique carrière amateur. C'est vrai qu'arriver dans le milieu professionnel, arriver dans le groupe professionnel est très difficile. Je dirais que ce sont les événements qui dictent un petit peu le nombre. Il peut arriver qu'il y ait une promotion où il n'y ait que 1 ou 2 joueurs, malheureusement. Mais il peut aussi qu'il y ait une promotion où il y en ait 5-6 parce que des événements font qu'à un moment donné, une promotion se retrouve sur le devant de la scène et donc promue à un bel avenir. C'est le cas de la dernière promotion avec Pedretti, Monsoro, il y avait Fro, Jérémy Mathieu, il y a eu Diouf, Luboya, donc Meriem. Il y avait une sacrée grosse promotion là. Avant la génération Fro-Pedretti, le centre avait déjà connu des moissons exceptionnelles. Ce fut le cas de la première promotion qui a vu grandir Batz, Gengini, Stopira ou Anziani. Cette génération de jeunes talents va porter le club vers les sommets européens en 1981. Lors de cette Coupe d'Europe, Sochaux élimine Genève, Porto, Francfort et Zurich avant d'échouer d'un souffle en demi-finale. C'est là l'une des plus belles pages du football sochalien d'après-guerre. C'est vrai qu'il y avait un engouement extraordinaire dans la ville. Tous les magasins étaient décorés aux couleurs du club et personne ne nous attendait à ce niveau-là. Et en France, bien sûr, on était l'équipe qui avait été le plus loin en Coupe d'Europe. Donc un grand moment dans l'histoire du club. Quand on a joué en 81-82 cette Coupe d'Europe, on est allé jusqu'aux demi-finales d'une coupe UEFA, hein, sur la feuille de match. Il y avait 15 noms, on n'en avait pas 16, il n'y avait que 15. Et sur les 15 noms, il y avait 11 qui ont été formés au centre de formation, issus du centre. C'est ça qui a fait un boom d'ailleurs un peu. Là, on a dit que c'est extraordinaire. Et sur les 11 qui étaient sur la feuille de jeu, il y en a 8 qui ont débuté le match. Pour autant, la gestion d'un club formateur comme le FC Sochaux n'est pas simple. Les jeunes talents formés à Sochaux sont l'objet de la convoitise des grands clubs. Privé de ses meilleurs éléments, l'UFC est alors obligé d'intégrer rapidement des nouveaux jeunes qui n'ont pas toujours le temps de s'aguerrir. Dans les années 80, le club perd de sa superbe et résiste mal aux joutes de la première division et aux lois du marché des transferts. En 86, Sochaux est relégué en deuxième division et n'a pas d'autre choix que d'attendre l'arrivée d'une nouvelle génération. Ce sera au tour de Paille, Sylvestre, Sauzet et Rousset de ramener le club vers les sommets. Vous avez des clubs qui sont riches et qui peuvent se permettre d'acheter des joueurs. Nous, ici, on les forme. On les forme comme un jardinier cultive ses légumes. Vous en avez d'autres qui ont le portefeuille plein et qui vont dans le potager des autres acheter les beaux légumes. Bon, il est certain que c'est plus facile quand on a le portefeuille bien garni, mais disons que le métier de jardinier a sa noblesse. Par contre, il a aussi ses difficultés. Le club mise tout sur cette politique de jeunes, donc effectivement, on essaie de les faire travailler, de les faire progresser. Et quand ils ont franchi les différentes étapes, les différents paliers, ben les incorporer au fur et à mesure à l'équipe professionnelle.
Et c'est vrai qu'il y a un budget à tenir, et pour équilibrer ce budget, de temps en temps, il faut lâcher un jeune joueur ou un joueur formé au club. C'est pas le but premier non plus, je veux dire. On ne forme pas des joueurs pour les vendre dans un premier temps. On les forme d'abord pour qu'ils jouent en équipe professionnelle, pour qu'ils nous amènent toutes leurs qualités. Et à un moment donné, c'est vrai que quand ces garçons-là ont atteint un certain niveau, les intérêts divergent un petit peu, parce que ces garçons-là veulent connaître autre chose au niveau sportif. Tu peux pas empêcher un gars d'avoir la chair de poule d'aller jouer au stade Vélodrome. Hein, on a, faut bien se regarder, le nombril est pas plus bas ni plus haut. Ici, soyons clairs, on n'aura jamais l'ambiance du stade Vélodrome pour un joueur de football. Nous, on est, je dirais, le premier palier pour un joueur. Et déjà, c'est pas si mal. Si on est européen, on va faire des trucs fabuleux. Mais tu n'auras jamais l'ambiance qu'il y a à Marseille. Tu n'auras jamais l'ambiance du Real de Madrid. Il suffit d'aller voir un match en Angleterre, à Liverpool, pour comprendre qu'on n'aura jamais cette ambiance. Et qu'un joueur, il a envie de monter, il a envie d'avoir ça. C'est normal pour le joueur de réfléchir et pour le club aussi. Parce que dans le transfert d'un joueur formé au club de Sochaux, les deux parties se retrouvent. Il ne faut pas oublier que quand un joueur est formé à Sochaux, il coûte un certain prix au club, et que par le biais d'un transfert, le club peut être remboursé. Donc c'est triste pour le supporter qui est là constamment, quoi. Et c'est vrai qu'au club, on n'a pas les moyens de se payer une star. Non seulement les moyens, mais on n'a pas la philosophie d'accueillir des stars. Il y a eu quelques tentatives dans l'histoire du club, mais des tentatives qui ont avorté très rapidement. Hein. Tout le monde garde en mémoire Carrasco, un Espagnol qui est venu, il a passé très peu de temps au club parce que c'était pas un club fait pour lui. Tiens, non. Juste de l'approche, Tac. On dévie de l'approche. Tu me conserves le ballon et on joue. Ouais. Bien joué, garçon. D'accord. Allez, on me fait ça. Le FC Sochaux, c'est un groupe qui a été constitué au sein d'un centre de formation. La preuve, si aujourd'hui le sportif marche bien, les sportifs expliquent ça par le fait que le groupe aime jouer ensemble. Ce sont des copains qui ont vécu des belles choses ensemble et qui aujourd'hui, sur le terrain, s'éclatent. C'est un rêve de gosse, en fait, de travailler à Sochaux, parce que j'ai toujours été sochalien dans le cœur et j'ai toujours suivi les résultats de Sochaux et me retrouver là maintenant. Bon, c'est vrai que maintenant, avec les années qui passent, on voit les choses différemment, mais quand je suis arrivé, je regardais ça d'un œil un peu comme un gamin, quoi, qui découvrait, et c'était vraiment sympa, quoi. Le problème, c'est que les joueurs, ils laissent toujours tout traîner, leurs affaires. Ça, c'est clair, ils laissent toujours traîner leurs affaires. Faut toujours passer derrière, toujours. Ça, c'est chiant. Je veux dire, bon, les joueurs ont été vraiment sympas avec moi, parce que bon, dernièrement, j'ai perdu mon papa au match du Mans, contre le Mans, entre autres. Et sur les trois buts, ils sont venus me voir sur le banc. Donc ça, c'était un moment vraiment chaud, parce que je sortais d'un événement qui était vraiment pas sympa du tout, quoi. Et vraiment, le geste sur les trois buts, venir me saluer, j'ai trouvé ça très très fort. C'est vraiment des signes forts d'affection, quoi. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on travaille beaucoup, mais ils nous le rendent vraiment bien, quoi. On se douche, on casse la croûte ici. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Je pense qu'en 5 ans, il y a eu des tas de choses de faites. Le club n'était pas comme il était il y a 5 ans en arrière, même si c'était la même politique, je veux dire, familiale, etc. Mais les structures ont énormément changé. Donc c'est vrai qu'on a l'impression de pu évoluer dans le même club, en fait, quelque part, même si la tradition est la même, mais je veux dire, on travaille dans d'autres structures, et c'est vrai que ça a beaucoup évolué. C'est un renouveau à tout niveau, c'est un renouveau parce que le club s'est doté d'un stade flambant neuf, après avoir dû composer avec un stade bonal vétuste. Et la grande chance, c'est que ce renouveau dans les structures s'est accompagné d'un renouveau sur le terrain, parce qu'il y a une génération de joueurs exceptionnels. Et le club a pu compter sur ces jeunes joueurs
pour l'emmener sportivement, mais aussi à un moment donné pour faire des belles opérations de transfert et remplir les caisses et ainsi faire vivre le club. En même temps que la construction du nouveau stade, Peugeot amorce un virage dans la gestion du FC Sochaux. Jusqu'à présent, la firme automobile subventionnait le club, comme le font certaines municipalités. Aujourd'hui, le FC Sochaux-Montbéliard est toujours la propriété du groupe, mais il est géré comme une filiale indépendante qui doit trouver par elle-même les moyens de sa propre subsistance. C'est pour cette raison que le nom de Peugeot a disparu des maillots, puisque le sponsoring est devenu nécessaire à la survie du club. C'est une nouvelle histoire qui commence pour Sochaux, celle de l'indépendance financière. Dans un milieu ouvrier, il suffit que je me retourne pour voir ce qui se passe derrière. Dans un monde ouvrier où les gens gagnent leur vie, mais où tout est difficile, on ne peut pas se permettre de demander de l'argent à notre actionnaire pour payer les salaires des joueurs qui sont souvent à la limite du déraisonnable. La gageure qui est en train d'être gagnée aujourd'hui, c'est plutôt que le club, structuré comme une entreprise commerciale, arrive à obtenir une exploitation possible, potentielle, sans coûter ni d'argent aux contribuables, ni d'argent à Peugeot dans son exploitation. C'est une entreprise comme une autre, avec, je dirais, un paramètre tout à fait différent, c'est que tous les samedis, tu es une star ou tu es un con. Voilà, ça dépend du résultat du match. Alors que dans une entreprise traditionnelle, toutes les semaines, tu n'es pas remis en cause. Quoi. C'est un peu différent. Donc ce soir, si on gagne, mon recrutement aurait été parfait, vraiment, j'avais raison. Si on perd, c'est pas étonnant avec toutes les conneries qu'il a fait. Voilà, c'est ça la différence. Sur le moment, c'était des moments très forts. Je garde ce moment où on était tous collés les uns aux autres, on se serrait tous ensemble et le coach disait restons ensemble, restons ensemble, il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. Et puis à un moment donné, ça penche positivement pour nous, après ça revient, après c'est pour eux. Et c'est vrai qu'on avait, quelque part, on avait quand même confiance en nous. Et après, quand on a vu que Teddy arrêtait le dernier pénalty en fait, qui nous donnait la victoire, moi j'ai eu un moment de flottement où je ne me souvenais plus, je ne savais plus trop ce qui arrivait. J'ai vu Bernard Gengini rentrer sur le terrain en criant « on a gagné, on a réussi ». Et là, il y a quelques secondes en fait où je ne sais plus trop ce qui s'est passé. C'était tellement fort, le stade plein, on l'a gagné, donc c'était… Ce bonheur à cette région et à eux-mêmes, parce que je pense qu'au fil des années, ils se souviendront à vie de ce qu'ils ont pu faire l'année 2003-2004. C'est ça qui m'aide. Vas-y.
génial. Alors nous, on vient de Besançon. Allez, on vous félicite tous, on est très heureux pour vous. Vous devez faire des souvenirs de supporters, c'est nous les supporters. Mais bon. Alors là, vraiment, quand vous avez gagné, tout. Et alors je peux vous dire qu'on était heureux comme tout. Et félicitations. Voilà. Félicitations. Bravo, messieurs. Merci. Parce qu'on on traîne dans les rues. Et que quelqu'un vous aborde, bravo pour la Coupe de la Ligue, il y a beaucoup, beaucoup de fierté dans les yeux quand ils vous disent ça. Et je pense qu'il y a quelque chose qui... Ils avaient besoin de ça. Cette région avait besoin d'un titre, de se dire « mais nous, on est socialiens, on est un club, un des plus grands clubs de France », parce que c'est vrai que dans l'histoire, c'est quand même le club qui a resté le plus longtemps en première division. Donc, bon, dans les années 2000, il fallait quand même marquer le coup. Et je crois que c'est vrai, cette génération a marqué un petit peu l'histoire du club et c'est bien pour tout le monde. Monaco, et en dessous il va voir Marquiki. Va voir Marquiki.